Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine passée, remplir les enveloppes de la semaine prochaine. Avant toute chose, je voulais vous dire que jusqu'à ce soir, et encore une fois si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, certains d'entre vous en ont déjà profité, mais jusqu'à ce soir, pour toute commande passée, sans minimum de commande, ou jusqu'à lundi soir, toutes les commandes qui seront passées sur mon site, sans minimum d'achat, se verront offrir le budget amusant en format PDF. Donc je l'enverrai par mail. Rien à mettre au moment de la commande, c'est moi qui l'enverrai automatiquement par mail le lendemain matin. Donc voilà, toute commande recevra le budget amusant en PDF gratuitement. Donc je rappelle qu'il y a de quoi faire son budget pour 12 mois et des défis et des trackers. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et c'est suite à de nombreux échanges que j'ai eu avec plusieurs d'entre vous sur Instagram. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, on va commencer par faire donc le bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Si vous avez vu mon vlog, vous avez vu qu'on a fait des petites courses et donc il me reste quelques pièces ici que je vais enlever. Alors je vous rappelle rappel. Mais comme il y a plusieurs nouvelles personnes, voilà, je le redis. Ceci, c'est mon portefeuille, on va dire, que j'ai tout le temps dans mon sac. Et dedans, je n'ai que mon budget de la semaine. Ici, c'est mon classeur du mois. Et ici, c'est mes défis. Et j'en ai un autre avec mes épargnes. Et le petit rose que j'ai dans certaines vidéos, c'est la même utilité que celui-ci, mais je le prends quand je prends mes petits sacs. Voilà tout. Donc, je reprends avec l'alimentation. Il y a des pièces. Et donc, comme je vous avais expliqué, maintenant, je ne prends plus que les pièces de 2 euros, 1 euro et 50 centimes pour mettre dans la tirelire. Puisque la machine qui échangeait les pièces en fait contre des bons d'achat Leclerc, elle n'y est plus là à mon Leclerc, donc maintenant je fais comme ça. Et du coup on m'a demandé comment je faisais pour les garçons maintenant s'ils veulent un magazine ou autre. On a changé de système et c'est pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mercredi il me semble, je vous l'afficherai juste là, où maintenant on a mis en place un tableau de récompenses et donc à la fin de la semaine on voit quelle est leur récompense en fonction du nombre de points qu'ils ont eu dans la semaine. Voilà, pour les encourager, les motiver à ranger ce qu'ils doivent ranger et à être sages, voilà. Même si quand vous les voyez en vidéo, vous me dites tout le temps « Oh, ils sont adorables, ils sont adorables ». Oui, c'est pas des méchants garçons, ils font pas de très grosses bêtises, mais ils écoutent pas tout le temps. Voilà, en même temps, c'est des garçons de 7 ans, hein, c'est normal, mais voilà. Donc on a mis ça en place, on est en train de tester et je dois dire que c'est plutôt efficace pour le moment, on est plutôt content. Bon, il y a des jours où ça marche pas mais, mais dans l'ensemble on est content et ce tableau est en téléchargement gratuit sur le site. Ensuite, loisirs, il reste 10 euros que je laisse puisque là c'est les vacances en plus, c'est les vacances et il y a la fête foraine là à Rouen donc on va sûrement emmener les loulous. D'hiver, il n'y a plus grand chose, enfin quoique il y a des petites, enfin des bonnes pièces. Alors encore une fois je vais prendre que celles que je mets dans la tirelire. Alors j'ai changé d'endroit pour filmer parce que je me suis rendu compte que la semaine dernière c'était beaucoup trop près. Je sais pas, j'avais dû changer la hauteur de mon trépied. Donc là j'ai changé d'endroit, j'espère que ça sera mieux pour vous. Donc ici, ah ouais, y a pas mal de pièces qui vont aller dans la tirelire là, donc ça c'est pas mal. Parce que ce mois-ci, du coup, j'ai pas sauvé beaucoup de billets. Hein. Donc au moins, il y a les pièces et le défi 5 euros et le défi de Noël, c'est déjà ça. Donc restaurant, c'est vide. Et là, c'est vide depuis un petit moment. Et ici, on a des billets de 5 euros, on en a deux. Donc voilà. Donc on va d'abord s'occuper des défis. Et bien donc dans le défi de Noël, je vais prendre celui-ci. Voilà, je voulais les laisser, mais bon, comme j'ai rien utilisé en début de mois, on a encore de quoi faire pour la dernière semaine dans ce classeur. Donc défi de Noël. Hop. Ici, je mets les 10 euros.
dans ma petite enveloppe. Et ça, je vous rappelle que c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur le site. Pareil que le tableau de récompense, c'est dans l'onglet blog et dans l'article ressources gratuites. Et vous aurez ce tracker que vous pourrez télécharger, ainsi que le tableau et bien d'autres choses. Et donc là, je viens cocher ici et c'est bientôt fini. On m'a dit, on m'a demandé comment je faisais puisque ça allait jusqu'au 20 décembre. Mais alors moi, personnellement, vous le savez, j'ai déjà mon enveloppe Noël. Mais éventuellement, là, il y a déjà quand même pas mal. 500, 200, il y a déjà 220 euros. Donc vous pouvez tout à fait déjà commencer vos achats, etc. Après, à vous d'ajuster en fonction de votre budget et de ce que vous avez pu mettre. Mais et éventuellement, pour le mois de décembre, vous mettez tout en début de mois. Et puis comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, mais nos cadeaux de Noël sont déjà entièrement achetés déjà. Donc c'est cool. Et je suis trop contente parce que l'autre jour, les garçons ont vu un catalogue de la grande récré, je crois. Alors évidemment, ils ont coché presque tout le catalogue. Mais ce qui revient souvent quand même dans leur bouche, c'est exactement ce qu'on leur a acheté avant qu'ils aient le catalogue. Donc ça, je suis trop contente, on a bien visé. Ensuite, les 5 euros. Vous voyez, je parle tellement que j'ai fermé alors que je n'avais pas fini ici. Donc là, on rajoute donc 10 euros. Et ce qui nous fait 515 euros. Et je ne sais pas le combien on est. Le 23. Plus 10, 515. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Voilà. Hop. Ensuite, les pièces dans la super tirelire. Ça, c'est pareil, je vous rappelle que le lien est en barre d'infos, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc vous allez vous cliquer sur le lien boutique Amazon et vous allez voir que il y a plein de pépites également pour la maison. Allez, c'est parti. On va voir à combien on est. Sachant que Marie avait déjà mis quelques petites pièces au fur et à mesure qu'il les avait dedans. On est à 57,50 €. Et je me dis que, et pourtant j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans quand on la regarde comme ça, je me dis que quand elle sera remplie, il y aura un bon petit pactole. Ça c'est cool. Et allez, maintenant on va faire donc le budget pour alors, j'allais dire la dernière semaine, mais j'ai le même sujet que le mois dernier, à savoir que si je fais me verse mon salaire à la même date que d'habitude, clairement, ça va pas le faire du tout. Donc, je vais repousser d'une semaine. Donc, voilà. En fait, ça va être le budget pour les deux prochaines semaines. On va voir. Après, vous savez qu'on a du stock à la maison. Donc, voilà, ça va le faire. Mais voilà, je sais pas trop encore comment ça va se passer. Et même la vidéo budget du mois de novembre, à mon avis, ça va être vite fait. Je suis pas sûre de pouvoir mettre dans toutes les épargnes. Ou de pouvoir mettre dans les épargnes tout court, d'ailleurs. Mais bon. On verra ça au moment voulu. En tout cas, pour l'instant, je mets 40 euros en alimentation. Juste ici. Et de toute façon, voilà, c'est aussi dans cette optique-là que j'ai un stock à la maison. Hein, parce que je savais pertinemment en début de mois que le mois prochain, ce serait un peu comme ça. Donc voilà, j'avais un petit peu anticipé la chose aussi. Loisirs. Donc là, loisir, il nous reste quand même pas mal parce qu'on n'a rien utilisé du mois. Ouais, il nous reste 40 euros, donc c'est cool. Je vais mettre que 20 euros. Et puis, si jamais on a besoin, on prendra ici. Je pense d'ailleurs que quand on emmènera les garçons à la fête foraine, on prendra les 40 euros là. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va les emmener. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. D'hiver, on va rajouter les 20 euros aussi. J'ai enlevé les pièces là. Oui, sûrement. Oui. Il reste beaucoup de petites pièces. Donc je vais les mettre dans l'alimentation. Ce sera plus facile pour moi. Hop. Et voilà. Là,
les budgets de la semaine, prochaine est fait. Les enveloppes sont remplies. Et donc, comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne. Surtout, abonnez-vous si vous, voilà, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets des vidéos. Et voilà, et n'hésitez pas à partager également autour de vous tous ces petites astuces, les bons plans, etc. Et tout ce qui arrive, hein, vous avez vu le défi organisation, ça y est commencé. donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.